Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on va commencer cette série de séances sur l'arithmétique par la première séance. Elle est examinée juste erreur. Donc, ce n'est pas une explication vraiment vraie ou faux. Mais comme je vous le relate, le déroulé de l'arithmétique, on s'en sort donc pour cette première séance. Alors, premièrement, on a 2x congrues à 4 modulo 6 implique que x congrues à 2 modulo 6. Disons, il a divisé les deux membres par 2 sans toucher la congruence. C'est faux. Il suffit de donner un contre-exemple. X égale à 5, par exemple. Alors, 2 fois 5, tatine 10. 10 modulo 6, ça fait 4. Donc, ça, c'est vrai, mais c'est pas le 5. Mais le 5 n'est pas congru à 2 modulo 6. Donc, bien sûr, c'est faux. On ne divise pas dans une congruence. Donc, c'est un nadrbo, lekin, ma'anesh propriété, on divise dans une congruence. Ben, c'est ce que nous avons, mais il y a une situation qui m'a connu de charge l'x. Et ben, nous avons une congruence, nous avons dans R, nous avons 2x congru à 4 modulo 6 signifie 2x égale à 4 plus 6k, k est un entier. Maintenant, je divise tous les membres par 2. Ce n'est pas une congruence, c'est une égalité AD dans R. Donc, x égale à 2 plus 3k. Maintenant, on a une région à congruence. Si x égale à 2 plus 3k, yani x moins 2 égale à 3k, yani 3 divise x moins 2, ou bien x égale à 2 plus 3k signifie x est congru à 2 modulo 3. Voilà. Donc, c'est à nous, 2x congru à 4 modulo 6. Ça donne x congru à 2 modulo 3. Donc, il y a un taxe, il y a un taxe, le modulo. Dès que je taxe directement, il n'y a pas une telle propriété, il y a une congruence, une congruence. En fait, il y a un taxe, il y a un taxe. Alors, il y a un taxe, il y a un taxe. Par exemple, x à la puissance 6, nous avons x à la puissance 1 modulo 5. Allez, c'est chinois. Allez, un 6, un 6 est congru à 1 modulo 5. Donc, x à la puissance 6 congru à x à la puissance 1. Yani x, tu as dit, modulo 5, car 6 est congru à 1 modulo 5. Bien, ça, c'est faux. Faux, bien sûr, il n'y a aucune propriété. Et les trois, on a alors, il y a une congruence sur la dette, et l'autre, moi, je l'ai fait la puissance. Troisièmement. Alors, il y a un x congru à 2 modulo 5. Déjà, je coule 2x congru à 4 modulo 5. Ou elle en coule 2x congru à 4 modulo 10. Et bien, il y a deux. Si x est congru à 2 modulo 5, est-ce que 2x est congru à 4 modulo 5? Puis, ça, c'est une propriété. On peut multiplier les deux membres par le même entier. Donc, congruence, est-ce qu'on peut dire que 2x est congru à 4? Ou encore, notre boulot le modulo par le même nombre, oui, c'est juste, mais il n'a pas une propriété directe, il faut passer par, donc, ils ont une congruence. Donc, tour de x égale à 2 plus 5k, tu multiplies tous les membres par 2, tu as les 2x égale à 4 plus 10k, ou tu as déjà la congruence, ça donne 2x égale à 4 plus 10k. Tu as l'exercice, ça a la congruence, mais tu as ça a le congruence là, le saad, donc tu t'haqqa. Mais. Quatrièmement, si a fois b est congru à 0 modulo n, ça implique que a est congru à 0 modulo n ou b est congru à 0 modulo n. Yani, qui m'a dans R, qui n'est pas nous, a fois b égale à 0, signifie a égale à 0 ou b égale à 0. Est-ce que c'est la même chose pour les congruences? Yani, autrement dit, je mets a fois b congru à 0 modulo n. Si n divise a fois b, est-ce que ça donne n divise a ou n divise b? Non, c'est faux. Voici un contre-exemple. On a 4 divise le produit 2 fois 6, mais 4 ne divise pas 2 et 4 ne divise pas 6. Donc ça, c'est faux. Est-ce que c'est le suivant? Est-ce que c'est un théorème? Tu vois, tu vois, la troisième année, il y a a fois b congru, bon, tu chiffres troisième, mais il congruence sous une autre version, c'est le théorème d'Euclide. Donc, a fois b congru à 0 modulo n implique que a est congru à 0 modulo n ou b est congru à 0 modulo n, ça c'est vrai lorsque n est un nombre premier. Donc, je répète, il y a un produit a fois b congru à n à 0 modulo n, ou bien, donc, c'est une autre version, on colle aussi n. Si n divise a fois b,
mais n est un nombre premier. Alors, waqta ça donne n divise a ou n divise b. Donc, tu vas sous la version de congruence ou sous la version de divisé. Donc, n divise a fois b et n est un nombre premier. Tu as waqta ça n divise a ou n divise b. Bien. Donc, par exemple, 5 divise a fois b. Est-ce que ça implique que 5 divise a ou 5 divise b? Oui, ça c'est vrai. Puisque 5 est un nombre premier. Mais si par exemple on remplace le 5 par le 4, donc le propriétaire est le match. Bien. L'acquête de division par le produit ou 5 fichnames. Donc, il y a un axe, regardez. Bien sûr, l'acquête n divise a fois b. Donc, c'est fameux. Si n divise a fois b, sur la conclusion qu'on peut avoir. Bien. Alors, vous avez les trois cas suivants. Quel lourd. Si n appartenant à z étoile, bon, étoile puisque n est un diviseur, donc je suis contre 0. Donc, n est un entier quelconque. Il a n est un entier quelconque. Donc, on n'a aucune conclusion. Mais, regardez ici. 4 divise le produit 4 fois 8. Oui, 4 divise 48. 4 divise 4 fois 3. Il y en a 4 divise 12. Ou 4 divise 6 fois 2. Il y en a 4 divise 12. Donc, il y a 4 divise 12. Regardez le cas lourd. Le 4 divise 4 et 8, les deux. Il y en a 4 divise 4, mais il ne divise pas 3. Il y en a 4 ne divise ni 6 ni 2. Je m'entends. Tout est possible. Donc, si n divise un produit a fois b et n, un entier quelconque, donc, conclusion, alors, sinon, maintenant, dans le cas où n est un nombre premier, si n est un nombre premier qui divise un produit a fois b, alors nécessairement, il divise au moins l'un des deux. M, il divise a, ou l, il divise b, évidemment, il peut diviser les deux. Alors, on a le cas terce, il y a le lème de Gauss. Si n divise un produit a fois b, et n est premier avec l'un des deux membres, alors nécessairement il divise l'autre. Si n divise a fois b, on a par exemple 4 divise 5a. 4 divise le produit 5 fois a. Et on sait bien sûr que 4 et 5 sont premiers entre eux. Alors ça, ça donne, d'après le lemme de Gauss, que nécessairement 4 divise A. Donc je répète, si N divise A fois B et N et A sont premiers entre eux, alors N divise B. Et là, il y a N divise un produit. Quand il y a une conclusion, il y a N est un nombre premier, mais ou elle, N et A sont premiers entre eux. غادي نشوفوا في التقريب في يا اما في لي فوت اللي تعاودوا برشا ولا الحاجات الصحاح زاد اللي تنجموا تستعملوه في كل وقت ليزيكزرسيس يجيو في لي فيديو اللي بعديك دونك نشوف كيفاش نستعملوهم هذوما بعديك ما طب هنا مليح شو عندنا قبل شويه حكينا على سي ان ديفيز لو برودوي ا فو بي كيل كونكلوزيون اون بو افوار اي دون كيل كا. Si A divise une somme, mouche un produit. Si A divise une somme, je suis en. Donc regardez bien ici. Maintenant, on suppose que A divise B plus C. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion? Bien, une conclusion directe, mais qu'on a au moins une conclusion. Mouche qui A divise B fois C, c'est fait, on a une conclusion. Elle a fait des cas particuliers. Bon, on a des conclusions. Elle est. Alors, si A divise B plus C, c'est que ou bien A divise B, et A divise C, ou bien A ne divise ni B ni C. Yann, mathalam. On a 4 divise la somme 8 plus 4, oui, 4 divise 12. Et on a 4 divise 8 et 4 divise 4. Ou on a 4 divise la somme 5 plus 3, il y a 8. Ou on a 4 ne divise ni 5 ni 3. Yann, si A divise une somme B plus C, ou bien que A divise les deux, ou bien que A ne divise pas les deux. Mais déjà, je te rappelle le cas. Ou A divise l'un, mais ne divise pas l'autre. Là, si A divise une somme B plus C,
A se comporte avec B et C de la même façon. Et M, il divise les deux, ou L, il ne divise pas les deux. Autrement, plus une autre version. On dit par exemple, A divise B plus C. On a avec A divise B. Et A divise la somme B plus C, ou A déjà divise B, donc nécessairement A divise C. Encore, si A divise la somme B plus C, et je sais encore que A ne divise pas B. Alors, si A divise B plus C et A ne divise pas B, alors A nécessairement ne divise pas C. Qui m'a dit qu'il y a B ou C de la même façon. Ben, exemple, comme l'exemple, il y a un camel sahne. On a toujours l'exemple. Donc, on a un tarif autre. Ben, je vais voir. Je vais voir le sens de l'autre. Maintenant, si A divise B plus C ou si A divise B plus C, mais si A divise B et A divise C. Alors, on a une règle dans le cours, on a si A divise B et A divise C, donc A divise toute combinaison entre B et C, en particulier A divise B plus C et A divise B fois C. Maintenant, si A divise B, il ne divise pas C. Si A divise B, il ne divise pas C, donc A ne divise pas B plus C, bien sûr. Et A divise l'un, mais ne divise pas l'autre, il ne divise pas la somme. S'il divise la somme, il divise les deux, voilà, il ne divise pas les deux. Mais s'il divise l'un, mais ne divise pas l'autre, donc il ne divise pas la somme. Mais il divise le produit. Il suffit que A divise B, que A divise B fois A, en particulier B fois C. Troisième cas, maintenant, si A ne divise B, ne divise ni B ni C, donc on n'a aucune conclusion. Maintenant, je crois que A divise B plus C. Maintenant, je crois que A divise B fois C. Qui maintenant, je trouve A divise B plus C. Qui maintenant, je trouve A divise B fois C. Donc, on n'a aucune conclusion directe. Ben. Alors, on termine la vidéo donc, par cette remarque. On a une équation au taux de la vidéo G, vidéo numéro 2, je n'ai pas les équations pour ces femmes dans beaucoup de cas. Mais je n'ai pas les cas moyens comme remarque. Donc, sixième remarque. On a x carré congru à 4 modulo 5, on veut chercher x. Ben. Donc, on a des méthodes, on a différentes méthodes. Enfin, on a un tableau, on a une seule méthode, on a le 4 à gauche. Donc, x carré, attends, je trouve qu'il m'a connu dans la vidéo G, on trouve les cas possibles qui fait que on a des équations mortelles qui fait que nous avons avec des différentes méthodes. On a des mains, donc, on a une remarque moyenne. Donc, on a, je vais amener 4 à gauche. Toi, x carré moins 4 congru à 0 modulo 5. Je factorise x carré moins 4, donc x moins 2 fois x plus 2 congru à 0 modulo 5. Donc, c'est le théorème. Si a fois b congru à 0 modulo 5, ou bien si 5, si n divise a fois b, et n est un nombre premier, donc il divise moins l'un des deux. Donc, x moins 2 fois x plus 2 congru à 0 modulo 5, où 5 est un nombre premier, donc, 5 divise l'un des deux. Il y a x moins 2 congru à 0 modulo 5 ou x plus 2 congru à 0 modulo 5. Donc, bien, maintenant, je me coloha. Ça, c'est un nombre premier. Quand j'étais lié 6 ou le 4, tous les résultats sont moussés. Donc, x congru à 2 modulo 5 ou x congru à moins 2 modulo 5. Donc, rien x. Donc, x égale à 2 plus 5k ou x égale à moins 2 plus 5k. Ben, donc, je vais changer le 4 par 2. Je vais ramener 2 à gauche. On obtient x carré moins 2 congru à 0 modulo 5. Peut-être bien, si je factorise x carré moins 2, x moins racine 2 fois x plus racine 2, bien, ça c'est une factorisation dans R. Mais ça, ce n'est pas une factorisation dans Z. Donc, il y a une factorisation dans Z, bien sûr. Donc, il y a une factorisation dans Z. Donc, la méthode, l'eau, la méthode, c'est quoi le hal? Le hal, on a un tableau de congruence. Donc, on a les restes de x modulo 5, mouche x, les restes de x modulo 5, il y a 0 à 4. Et tu cherches les restes de x carré modulo 5. Et de x congru à r modulo n. Donc, x à la puissance n congru à r à la puissance n. Donc, on modulo A. Modulo A. Mais. Donc la congruence, donc, elle respecte, elle conserve donc les puissances. Donc, je t'ai donné le carré. Donc 0 au carré tatine 0, 1 au carré tatine 1, 2 au carré tatine 4, 3 au carré tatine 9.
9 modulo 5 plus tarja 4. 4 au carré tartine 16, 16 modulo 5 plus tarja 1. Donc les restes possibles de x carré modulo 5, comme il y a 0, il y a 1, il y a 4, il y a 1. Donc il y a 0, il y a 1, il y a 4. Voilà. Je vais vous dire que x carré congru à 2 modulo 5. Même à nous deux, ça veut dire qu'il n'y a aucun entier x tel que x carré congru à 2 modulo 5. Donc s égale ensemble vide. Donc voici pour la première vidéo. Donc la vidéo Thénia, nous allons faire la résolution d'équation. Donc salam alaikum wa rahmatullah.